Ça tourne autour du thème de la route, essentiellement. Donc c'est des personnages qui marchent, tu vois, il y en a beaucoup qui sont en route, en fait. D'où l'idée du titre de l'autre côté de la ville, donc des gens qui marchent. Et il y a aussi des assis, des personnes assises. Donc soit assises, soit en route ou debout essentiellement. Et c'est ça l'idée donc, du dialogue avec les crocodiles de l'autre côté de la ville. C'est un thème que j'ai commencé en 2019, je crois, la route. C'est un lien aussi avec toute l'immigration. J'ai commencé avec les personnages qui marchent et puis je suis arrivée aux personnages qui sont assis à un moment donné, parce qu'ils commencent à être fatigués. Et donc j'ai fait toute une série d'assis. Et puis voilà, ça tourne autour de ça, essentiellement. Alors justement là, c'est une des dernières que j'ai faites qui est un peu différente. Tu vois qu'il n'a plus, c'est plus tout à fait la même technique. Ou là, je reviens à une technique que j'ai utilisée il y a quelques années. Il y a souvent des boucles, en fait, hein, dans ce que je fais. Je suis revenue un peu à cette façon de peindre là. Mais c'est peut-être provisoire, parce que pour l'instant, j'avais envie de faire peu autre chose. Maintenant, j'ai commencé un autre thème, c'est armée pour la vie, mais c'est un peu dans la continuité où j'ai commencé à peindre, à dessiner des armures, des costumes, cravates, enfin toutes sortes de choses pour se protéger et s'armer, si tu veux. Voilà, ça c'est l'idée qui me travaille pour le moment. Des associations d'idées comme ça, qui viennent de l'actualité. Et puis à un moment donné, il y a deux idées qui se télescopent et puis voilà. Mais ça, je crois qu'à la longue, je m'ennuierais si je faisais tout le temps le même truc. Mais c'est quand même beaucoup des personnages. Moi, en fait, je suis incapable de faire un paysage, ça c'est clair. Mes paysages n'ont pas d'âme, donc c'est toujours des personnages, ça c'est sûr. Et puis j'imagine ces personnages en toutes sortes de situations. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Ouais.